Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathie, coucou Fabienne, hello ma Mumu, bonjour Héloïse, coucou Delphine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Coucou ma petite Cathy, coucou ma Routine. Je suis trop contente, ça y est, on est mercredi. Oui, il y a du son et normalement il est meilleur que d'habitude. Ne vous moquez pas de moi avec mon casque, s'il vous plaît. Mais du coup, normalement, vous allez avoir un son qui va être beaucoup plus sympa que d'habitude. Je ne vais pas avoir besoin de parler trop fort. Et donc, ça devrait être top. J'ai dit, on ne se moque pas, Cathy. Coucou Ticia, bonjour Marianne, coucou Nathalie, bonjour Gazelle, merci Mumu, c'est gentil, coucou Isa. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, le live 79. Excellent le son, bon bah c'est super alors, génial, j'ai rasé la moustache. Laurent, c'était pas cool sur ce coup-là. J'ai fait un petit coucou à Aude qui, je sais, est en train de nous regarder, enfin de me regarder en même temps qu'elle fait nos petits colis. Donc gros bisous ma belle. Bonjour Mireille. Ça te fait une voix douce. Ah, bah écoute, tant mieux. Si c'est pas trop désagréable, c'est l'essentiel. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous sommes, voilà, mercredi 14h. On se retrouve chaque semaine à cet horaire. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je serai ravie de vous accueillir et de vous faire un petit coucou aussi. Je suis Harmonie Marais. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Et voilà, je vous l'ai dit, chaque semaine, on se retrouve le mercredi après-midi à 14h. Pour un nouveau live créatif. Les filles, arrêtez de passer harmonie à la loupe. Bah oui, elles vont encore me faire rougir comme d'habitude. Mais ça, je commence à le savoir. Coucou Dominique, je fais hôtesse de l'air. Ah bon, bah écoute. Alors, sur les côtés, vous aurez les écoutilles. Sur le haut, le masque à oxygène. N'importe quoi, ça commence très très fort. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a plein d'infos cette semaine. Coucou ma petite Émilie, tu vas bien ma belle? Bonjour Jocelyne, comment ça va? C'est le rideau qui déteint. Non, 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 c'est pas le rideau qui déteint, c'est vous qui me faites rougir. Vous le savez parce que vous me racontez des bêtises, parce que vous racontez des bêtises aussi. C'est juste ça. Si le plaisir vous en dit, si le live vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos murs, par exemple, ou dans vos groupes préférés. Je bafouille un peu, ça commence très très fort. Et puis on est parti pour un nouveau live. Bonjour Kikiren, comment ça va? Hâte que les vacances arrivent. Oui, j'imagine. Oui, encore 2 jours, 2 jours d'école pour nos loulous, et après on les aura 15 jours à la maison. Bonjour Fleur Mimosa, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon moment en notre compagnie. C'est gentil Mireille, merci beaucoup. Oui, on fait un gros bisou à notre Sandrine qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais on pense très très fort à elle, évidemment, et elle pense très fort à vous aussi. Alors, coucou Karine, bonjour Claudine, bienvenue. Coucou Viviane. Coucou Nathalie, il y a plein de monde aujourd'hui, c'est super, je vous souhaite vraiment la bienvenue à tous et j'espère que vous allez passer un bon moment. Oui, je sais, en Suisse, c'est presque la fin des vacances, c'est pas tout à fait pareil. Bonjour Fabienne. Alors, on y va cette semaine. Coucou Elodie, ça va ma belle? Bonjour Sonia. Cette semaine, plein de nouvelles choses, du coup, vous le savez, pour la plupart aujourd'hui. Ah d'accord, ouf, je suis rassurée de savoir que c'est rien de grave, donc bon courage pour ton rendez-vous et pas de problème pour le replay. Coucou Rachel. Crapouilleux, je ne sais pas s'il est là. Allez, c'est parti. Vous le savez, je vous propose cette année mon tout premier calendrier de l'Avent. Les inscriptions sont encore possibles pour le kit créatif, je vous le remontre. Hop, le voilà. Hop, comment il se présente. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. Vous pouvez aller sur mon blog harmoniescrap.fr.
pour vous inscrire. Coucou Pascal, bonjour Brigitte. D'autre part, vous le savez, j'ai lancé donc au mois de septembre la box mensuelle Harmony Scrap. Hop, et je voulais vous l'afficher, mais du coup, les inscriptions donc pour la box de novembre se font jusqu'à aujourd'hui. Donc encore une fois, rendez-vous sur le blog harmoniescrap.fr et du coup vous aurez toutes les infos, mais vous avez aussi accès aux liens qui sont en haut de la publication. Je vous ai tout mis, il n'y a pas de souci. Oui, après, je ne prends plus d'inscription pour la box de novembre à partir de ce soir. Bonjour Marie-Josée, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Martine, top la box. Oui, je sais qu'elle te plaît la box, Martine, je suis trop contente. Et puis, une des grandes infos aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez remarqué, vous en avez vu passer quelques-uns, la vente flash. Et oui, la vente flash sur les tampons, juste aujourd'hui, uniquement aujourd'hui. C'est le moment de vous faire plaisir. Donc jusqu'à 23h50 précisément ce soir, coucou Florence, jusqu'à 23h50 uniquement, vous avez moins 15% sur une sélection de sets de tampons. Donc c'est le moment de se faire plaisir et d'en profiter. Vous avez vu, il y a des tampons qui sont vraiment magnifiques. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous avez également le lien pour vous connecter sur ma boutique en haut de la publication. Oui, Émilie, les promos. Coucou Muriel, comment tu vas? Oui, félicitations à Muriel, ma filleule qui vient de passer bronzélite aujourd'hui. C'est une grande nouvelle, je suis très fière d'elle. Alors, bien. Aujourd'hui, nous avons prévu de réaliser, alors ne vous moquez pas de mon accent anglais, qui est loin d'être extraordinaire, ce qu'on appelle tout simplement une Fancy Fun Fold Card, ce qui n'est autre en fait qu'une carte à pliage originale. Et j'étais en train de la chercher, du coup j'avais oublié de la prendre à côté de moi. Hop, une petite carte à poser encore une fois. Et je vous l'ai dit, vous l'avez vu probablement. Hop, ici, vous pouvez par exemple mettre une petite photo. Alors, pour celles qui nous et ceux peut-être qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu compliqué ou si vous perdez le fil tout simplement. Pas de panique. À la fin du live, vous avez toujours à disposition donc le replay. Et puis, sur mon blog, je mets aussi à disposition la fiche technique. Donc, vous avez tous les schémas, etc. J'ai pas d'accent, ma routine. Ah oui, c'est quand j'ai prononcé en anglais, autant pour moi. Donc, vous avez sur mon blog la fiche technique avec toutes les mesures, avec les schémas. Donc, vous pourrez refaire tranquillement, sans aucun souci. Je vais essayer de vous expliquer le mieux possible, de vous donner des petites astuces pour que dédramatiser tout ça. Mais surtout, pas d'inquiétude, ça va bien se passer. On s'emballe pas et au pire, on fait ça avec un brouillon pendant le live, comme ça après. On s'éclate avec nos super papiers. Ça marche? Alors, je vous propose qu'on y aille. Je vais vous montrer rapidement. Hop, donc je vous remonte la carte. Voyez, on peut la poser. Et puis, si on a pris une base de papier de couleur, on peut très bien rajouter un morceau de papier blanc ici pour écrire un petit mot. Ok? Bonjour Magali. Bienvenue. Alors ici, bah, vous la connaissez déjà cette collection, ou peut-être pas d'ailleurs. Elle fait partie donc de notre magnifique catalogue annuel. Et oui, parce qu'il regorge de choses splendides. Et donc c'est, pour ne pas la citer, Croquis du Jardin. C'est une collection qu'on adore. Alors oui, ça va peut-être pas forcément avec la saison, mais après tout, hein, est-ce que ça a une réelle importance? L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Donc, Croquis du Jardin, c'est du papier en 30-30. Vous la trouvez à la page 104. Et je vous la présente ici, deux par deux, en recto verso. Elle est superbe. Coucou Harry. Bonjour Sylvie. Comment ça va? Bienvenue tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, nous réalisons une Fancy Fold Card,
une carte à pillage originale qui peut être posée en exposition et qui peut également servir de petit cadre photo. Je suis ravie de vous accueillir. Vous avez évidemment toutes les couleurs uniques coordonnées à cette superbe collection. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous avez par exemple cidre à la cannelle, fleurs de cerisier, horizon de bruyère, mystérieuse brume, piscine partie, bref, tout ce qu'il faut pour coordonner avec cette super collection. Elle est vraiment magique. Et puis bien sûr, comme les grandes collections, on a toujours les sets de tampons et les poinçons coordonnés. Voilà, que vous avez ici, je vous les présente assez rapidement, vous les connaissez. Et puis vous pouvez les retrouver donc sur votre catalogue à la page 104 et 105. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Aujourd'hui, je m'adapte pour cette carte-là à la saison. Et du coup, je vais travailler, ça va parler à certaines d'entre vous, avec la collection Terre en beauté. Et oui, Terre en beauté, en fait, c'était une des collections que j'ai mise à l'honneur pour la box d'octobre. Du coup, ça va donner un petit peu d'inspiration aux membres de la box. Et je pourrais donc ils pourront la réaliser aussi avec. Donc ça, c'est top. J'en profite pour vous rappeler que j'ai lancé quelque chose de nouveau depuis 2 semaines maintenant. Je vous propose de partager en commentaire sous ce live, donc à la fin du live, vos créations, pour que vous aussi vous puissiez nous inspirer avec vos papiers, avec votre petite touche, que vous inspiriez les autres. Et du coup, donc je vous invite à partager votre création à la fin du live en commentaire, d'accord? Et puis, cela vous permettra d'abord d'inspirer les autres, mais également, je ferai un tirage au sort parmi les participantes ou les participants. Coucou ma petite Karel! Pour vous faire gagner soit ma carte de présentation, donc celle avec croquis du jardin, soit celle que je vais réaliser aujourd'hui, donc avec cette super collection de Terre en beauté. Donc si vous avez envie voilà, de participer à ça, ce sera avec un grand bonheur. Partagez vos créations avec le hashtag HarmonyScrap et n'hésitez pas à inspirer les autres, montrer les belles choses que vous faites, ça sera un grand plaisir. Coucou petite Fabienne qui fait encore sa petite pause avec nous, c'est trop gentil ça. Donc voilà ce avec quoi je vais travailler aujourd'hui, mais je vais l'associer à un set de tampons qui fait partie de mes chouchous en ce moment. Je n'arrive pas de scraper avec, je m'en lasse pas. Vous allez voir. Regardez, c'est les petits écureuils. Ils me font complètement craquer ces petits écureuils. En plus, il y en a un dans mon jardin qui me fait des coucous tous les matins, qui se promène, qui monte sur les chaînes et tout, et qui s'amuse à grimper aussi sur la balançoire. Il me fait trop rire sur les tubes de la balançoire. Il grimpe partout, il passe d'arbre en arbre et tout. Il est impressionnant. Il a une queue magnifique en plus. Donc vraiment, c'est un vrai bonheur. Et je voilà, ça doit être la période, la saison, j'en sais rien. Mais du coup, je m'éclate avec. Donc, je vais travailler aussi avec nos petits écureuils aujourd'hui. Et puis, du coup, ça va être superbement coordonné avec la collection de papier. Donc, vous allez voir, ça va être top. Oui, Fabienne, il est beau, hein? Ouais, il est vraiment super. Oui, Sylvie, ils sont trop, trop choux, ces petits écureuils. On est bien d'accord. Alors, je vous propose, après tout ce petit laïus, de commencer la création de notre carte. On y va tranquille, on prend notre temps, on panique pas. T'as aussi t'as un copain écureuil? Oh, excellent. Oui, il m'a donné de l'inspiration, c'est clair. Et puis donc vous allez avoir les schémas, vous aurez après la fiche technique. Donc tranquille, tranquille, tranquille. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Je vous affiche, hop, les mesures qui ont décidé de se faire la malle. Voilà. Elles ne sont pas gentilles, gentilles avec moi. Alors, hop, bougez pas. Sinon, de toute façon, je les ai. Hop, j'ai mon gabarit comme d'habitude, de toute façon. Donc, c'est pas un souci. Non, elles veulent pas. Bon, c'est pas grave, elles veulent pas. Je vois plein de petits commentaires. Oui, vous aussi, vous aimez les écureuils. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ah, vous les nourrissez aussi. Excellent. Alors, hop.
Pour ce qui est des mesures, je vais vous les redonner au fur et à mesure. Et puis, je crois que ma petite Mumu qui est là va aussi vous les mettre en commentaire si vous avez besoin. Coucou Maryse, comment ça va? Oui, il faut prévoir les noisettes. Mais nous, on n'en a pas juste à côté. Donc, bon, on va peut-être pas en acheter exprès. Alors, on y va. C'est parti. Pour la base de la carte, je suis repartie sur du blanc. Il vous faut un morceau de papier, tout simplement une base de carte basique de 21 par 14,85. Tout simplement 21 par 14,85. Ah, j'ai ma petite Cathy aussi. Alors, il y a Héloïse qui lance un appel pour le club des unis. Il manque encore quelques personnes pour compléter le club de 5. Donc, si ça vous dit de la rejoindre, pareil, rendez-vous sur mon blog. Elle a très très hâte que ça commence, mais du coup, il nous manque encore du monde. Donc, venez, venez, rejoignez Héloïse. Et je ne sais plus qui est inscrite du coup. Mais venez, venez rejoindre ce club du Club des Unis, ça sera un vrai plaisir. Donc, cette base de cartes 21 par 14,85, ce n'est pas compliqué. Le matage. Donc là, je suis partie sur du ocre roussillon, que j'adore ce papier, qui mesure 19,5 par 14,3. 19,5 par 14,3. Donc, ce sera le matage. C'est ce que j'ai utilisé ici avec le Piscine Party. Pour le papier design, j'ai pris donc terre en beauté, vous avez vu, ça va être super joli. En plus avec les petits écureuils, vous allez voir, ça va être top. Vraiment magnifique. Et là, nous avons un morceau donc de papier design qui mesure 18 cm par 13,8. Ok? Le principe des découpes va être pratiquement le même pour ces trois morceaux de papier. D'accord? Avec des petites adaptations, des changements de mesure, mais en fait le principe va être à peu près le même à chaque fois. D'accord? Je vais vous montrer, donc évidemment on va commencer par la base de la carte. Coucou! Alors je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Je vous rappelle que l'on réalise aujourd'hui une Fancy Funfold Card et voilà comment elle se présente. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous arrivez. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous passez un bon moment. Alors, pour le schéma, hop, de la base de la carte, voilà à peu près à quoi, oui, j'ai vu Laurence, à quoi ça va ressembler. Quelques plis, quelques découpes, tout simplement. Je vais vous le rapprocher ici pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais vous donner une petite astuce. Donc, les pointillés verts, on plie. Les traits rouges, on coupe. Et ce sera tout. D'accord? Le principe sera le même pour le papier de mattage et pour le papier design. Donc, vous allez voir, ça va être très simple. Ok, vous êtes prête? Je vais vous montrer les deux autres schémas. Vous allez voir pour vous confirmer que c'est à peu près la même chose. Donc là, je n'ai pas réduit les mesures, c'est vraiment à l'échelle 1-1. OK. Et puis, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Allez, on va commencer dans l'ordre. Et pour cela, vous allez prendre donc votre base de carte de 21 par 14,85. Je sais que parmi vous, il y en a qui débutent dans le scrap et il y en a d'autres qui sont très très confirmés. Donc je vais essayer de faire en sorte que tout le monde réussisse bien sûr à suivre et à avancer. Je prends ça. Hop. Donc je rappelle ma base de cartes 21 par 14,85. Ok. Pour vous aider à vous guider quant à ces plis et à ces découpes. Parce que vous voyez, par exemple ici, on a un pli qui ne va pas de haut en bas. Également ici, par contre, on a un pli qui va s'arrêter, ici aussi, et il n'y aura pas de pli au centre. OK? Ça marche? Le conseil que je vous donne, c'est qu'on va se faire deux
deux petits traits en fait qui vont nous servir de guide pour la suite. D'accord? Ces guides seront à 3 cm. Donc, je vous montre tout de suite. Je prends mon papier en mode portrait. D'accord? Et je vais me tracer une petite ligne tout à fait discrète à 3 cm depuis le bord gauche et depuis le bord droit. Ça va m'aider tout simplement après avec mon coupe-papier pour savoir où je plie et où je coupe exactement. D'accord? Donc, je prends donc mon papier à la verticale, mode portrait. Je me fais une petite marque à 3 cm en haut. Pareil ici, donc depuis la gauche vers le centre et depuis la droite vers le centre. Idem en bas. Voilà. Hop, donc 3 cm ici, 3 cm ici. Je viens simplement relier ces points. C'est simplement un petit guide pour la suite, vous allez voir, ça va vous faciliter le travail. Hop. Voilà. Pour vous aider à plier. Celles qui se sentent vraiment très à l'aise, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, il n'y a pas de souci. OK? Donc maintenant que mon petit guide est fait, donc là vous ne voyez pas très bien hein, sur le blanc, hop, donc j'ai fait à 3 cm et du coup j'ai tracé ma petite ligne. Hop, je retourne ici, on va attendre que mon zoom veuille bien arrêter de faire des siennes. Et là je prends mon coupe-papier, voilà, et je vais venir donc faire mes plis. J'espère que vous voyez bien à l'image. Voilà, c'est peut-être un petit peu flou, mais bon, encore une fois, hein, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien sûr, tout ceci sur mon blog. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug entre-temps. Donc maintenant que j'ai fait donc ces petites lignes, je vais poser mon papier en mode paysage sur mon coupe-papier et je vais venir faire donc ce premier pli qui est ici. D'accord? Et pour cela, je vais me placer donc à 4 cm. Et là, je fais bien attention. Donc, mon pli, il est entre les deux petites lignes que je viens de tracer. Oh, ma Cathy, oui, il n'y a pas de souci. Tu dis à Loulou que je lui fais un gros bisou et que je la félicite pour son spectacle l'autre jour. Elle a tout déchiré. Elle était magnifique. Elle était superbe. Alors, je me place à 4 cm et je viens donc marquer mon pli entre les deux petites lignes que je viens de me marquer. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le premier à 4 cm. Et puis là, en fait, on va continuer. D'accord? Le second pli, il est toujours entre les deux et lui, on le positionne à 6 et demi. 6 et demi. Voilà. Entre mes deux traits. Hop. Voilà, j'espère que cette petite idée de dessiner le guide vous aide. Ensuite, je viens me placer à 10 et demi. Et là, par contre, nous allons faire les plis, mais nous nous arrêtons donc à notre guide pour celui du haut et celui du bas. D'accord? Donc je me mets à 10 et demi ici. Hop, et je viens tracer mon pli. Donc je m'arrête ici à ma ligne de pli, donc à mes 3 cm que j'ai dessiné. Hop, je descends et là pareil, je fais juste le pli du bas. Voilà. Alors n'hésitez pas à me faire signe en commentaire ou avec des petits pouces ou des petits cœurs pour que je sois sûre que tout va bien pour tout le monde, d'accord? Donc on était à 10 et demi, maintenant nous passons à 14 et demi. Et là, je refais mon pli mais à l'intérieur. Donc je suis sur ce pli ici. J'ai placé mon papier à 14 et demi et je fais mon pli entre mes deux guides. Oui, je vois des petits pouces, ça va, super. Hop. Voilà, nickel. Le pli suivant, pardon, je place mon papier à
on n'aime pas trop ces mesures-là. 15,75. Donc, hop, voilà. 15,75. Et là, ce sont à nouveau des plis qui s'arrêtent à nos petites marques. Je vérifie que je fais pas trop de bêtises. Non, c'est bon. 15,75, c'est nickel. Hop. Ici également. Ça marche. Et le dernier, celui-là, on le place à 17 cm. Hop. Donc on est sur celui-ci, 17 cm entre nos deux guides. Voilà, et là, nous aurons marqué tous nos plis. Il suffit maintenant de venir couper entre le premier pli que nous avons fait ici jusqu'au dernier. Et pareil sur le bas. D'accord? En fait, on vient tout simplement faire cette coupe-là. Ok? Ici, là. D'accord? Ici et là. Ça marche? Donc, pour ça, je positionne mon papier. Donc, pour celui de droite, je le positionne à 3 cm et je vais venir couper avec mon coupe-papier. Hop. Voilà. Et je peux retourner. Hop, je positionne à 3 cm et je coupe entre ma première et ma dernière ligne de plis. Voilà. Voyez, hop, là, ça y est. Ça y est, c'est bon pour tout le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que mes explications sont claires? Est-ce que vous avez l'impression que c'est gérable ou pas? Surtout, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai que là, il y a un petit peu plus de plis et de coupes que d'habitude, donc il faut vraiment pas hésiter à me le dire pour être sûr. D'accord? Ok. Donc là, après, on aura juste à faire marquer nos petits plis. Il n'y aura pas de problème. Donc en fait, on vient de faire, voyez, hop, toute cette partie-là. Vous arrivez à suivre? Fabienne, topissime. T'es mignonne. Claudine, vous arrivez à suivre aussi? Bon, c'est super. Ok. Donc je laisse ma base de cartes pour l'instant de côté. On va continuer avec les autres, d'accord? C'est-à-dire le papier de matage et le papier design. Et en fait, bah comme je vous disais, le principe est exactement le même, sauf que là, évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes mesures. Donc, je vous rappelle que le papier de matage mesure donc 19,5 par 14,3. T'inquiète, Mumu, tout va bien, ma belle. 19,5 par 14,3. Ok. Et là aussi, encore une fois, on va se faire donc notre petit guide, donc toujours avec notre papier en mode portrait. Et donc là, par contre, la mesure n'est plus 3 cm, mais 2,5. Donc, même principe, je me fais une petite marque à 2,5 ici et à 2,5 ici. Voilà, pareil en bas. Hop, 2,5 là et 2,5 là. Et je viens tracer, hop, mon petit guide, mon petit trait ici. Ici. OK? Donc vous avez à nouveau le schéma. Ici, donc, nous allons faire des petites découpes. OK? Oui, Véronique, il n'y a pas de souci. C'est justement l'avantage du replay, de la fiche technique sur le blog après. C'est l'avantage, on a tout après sous la main. OK? Je reprends donc mon coupe-papier. Voilà. Hop.
Et le principe, toujours le même. Donc, là, nous allons cette fois couper. D'accord? Donc, je place mon papier de mattage. Hop, j'essaye de décaler pour que vous ayez tout sous les yeux. Voilà. Donc, en mode paysage. D'accord? J'ai fait mes guides qui sont à l'horizontale ici. Je viens placer mon papier à 3,5 cm et donc je vais venir couper entre mes deux guides. Ok, donc on parle de ce trait-là. D'accord? Je me place à 3,5 et je viens couper entre mes deux guides. Je fais attention à ma lame. Voilà. Hop, et je m'arrête à mon petit guide. Nickel. Ok. Ouais, c'est coriace aujourd'hui. Oui, moi aussi, je vous aime fort, fort, fort. J'essaye d'être concentrée, pas trop faire l'andouille pour la découpe et tout ça. C'est peut-être un peu plus ennuyé, je suis désolée, mais je voudrais pas faire trop, trop de bêtises et donc vous perdre. Donc, j'essaye de rester sérieuse. Oui, ça arrive. Ok, on continue. Je me place maintenant à 10 cm. Voilà. Et je viens donc faire cette découpe-là et celle-ci. Donc là, je m'arrête à mon guide. Donc je suis placée à 10 cm. Hop, et je m'arrête tout juste à mon guide. Voilà, parfait. Je remonte ma lame. Et même principe, je redescends. Hop, et je m'arrête à mon guide. Ok. Oh, ma petite Ticia, t'as foiré ta base. Bah, tu vas la refaire après, c'est pas grave. Tout va bien. Pli suivant, 14,75. Alors, 5, 6, 75. J'essaye d'être. T'as vu, je te mets pas. Nati, t'es concentrée aussi? Ah, oui, t'es mignonne. Mais ça me fait plaisir que tu sois là, en tout cas. D'ailleurs, j'aimerais bien voir ta carte après. Ah, c'est sûr, si tu coupes au lieu de plier, c'est la cata. Oui, c'est vrai que si on coupe au lieu de plier et inversement, c'est la cata. Ah, vous me faites flipper quand vous me dites que c'est coriace et tout. J'espère vraiment que ça va, hein. N'hésitez pas à me dire, hein. J'essaye d'aller lentement pour que tout le monde puisse suivre. Donc là, on a fait à 10. Maintenant, je suis placée donc à 14,75. Et je fais à nouveau deux coupes en m'arrêtant à mon guide. T'as mis un réveil exprès pour pas oublier? Alors ça me fait plaisir, Nati. C'est trop gentil. Hop, et je viens couper, je m'arrête à mon guide, hop, en haut et en bas. Super. Et pour la dernière coupe, au moins dans ce sens, je me place maintenant à 16 cm. Ok, je viens faire cette découpe ici, donc entre mes deux guides. Je me place à 16 cm et je coupe entre mes deux guides. Voilà. OK. Et pour finir, bien, je vais retourner mon papier. D'accord? Je vais, comme tout à l'heure, me placer donc à 2,5. Donc vous le savez, j'aime bien tenir mon papier ici. Donc je me sers de la partie droite de mon coupe-papier puisque c'est une petite mesure. Donc je peux me le permettre. Et je vais venir donc couper ici et là. Et du coup, j'ai toute cette partie-là qui va disparaître et qu'on va mettre de côté. Donc je retourne mon papier en format portrait. Je le place à 2,5 sur la droite et je viens couper entre mes deux lignes de coupe ici. Me manque un petit chouïa. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc à 2,5.
Qu'est-ce que vous êtes calme, j'ai pas l'habitude d'avoir aussi peu de commentaires pendant mes lives. Hop. Et voilà. Zou. Du coup, ouais, je vais avoir des petits chouïas, mais c'est pas grave, je vais les recouper avec mes ciseaux. Donc on se retrouve avec différents morceaux, hop, de papier. Voilà, je vais prendre mes ciseaux pour les séparer. Ah, merci beaucoup Magali. Ouf, ça me rassure. Je vous rassure et je vous confirme que quand je fais des projets un petit peu plus compliqués en live, j'ai toujours hein, des coups de chaud. On a beau être au 79e live, j'ai toujours des coups de chaud. Voilà. Hop, donc je vais finir de couper ça parce que du coup, valait mieux le terminer au ciseau plutôt que d'aller trop loin. Voilà. On n'oublie pas après, hein, bien sûr, d'effacer nos petits traits de crayon. Voilà. Je vais séparer toute cette partie-là. Pouf, pouf. Voilà, après, ça va être un puzzle qu'il va falloir reconstituer. Forte concentration. Bah oui, il n'y a pas le choix. Claudine, vous arrivez à suivre? Ouf, chouette, ça me fait plaisir. Ça, c'est top. Je garde tous mes petits bouts de papier de côté et puis on va s'attaquer maintenant, hop, au morceau de papier design. Et là, c'est exactement le même principe. Avec, vous l'aurez compris, des mesures différentes, mais le principe est le même. Je vous rappelle, le morceau de papier design mesure 18 cm par 13,8. En le disant, j'ai un doute. Si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, 18 par 13,8 pour mon morceau de papier design. Je l'adore, ce papier. Il est trop beau. Alors, c'est parti. Hop. On va pas se prendre la tête. On va faire la même chose. Donc, mon papier. En mode portrait. Et là, cette fois, 2 cm. Hop. 2 cm. Depuis le bord gauche vers le centre. Depuis le bord droit vers le centre. Hop. 2 cm. L'avantage de se faire ces petits guides, c'est que du coup, eh ben, on galère beaucoup moins avec notre coupe-papier après. On sait exactement où s'arrêter. Ça, c'est assez pratique. Ah oui, si t'as ton petit-fils avec toi, c'est compliqué de réussir à suivre, ma petite gazelle. Je comprends parfaitement. Ne t'en fais pas, tu feras en replay, bien sûr. Hop, voilà. Donc, je trace mon petit guide. Pouf, pouf, à 2 cm. J'ai perdu mon trait, tiens. Il est où? Ah bah si, c'était celui-là. Je confonds avec les branches. Du papier, du dessin du papier. C'est drôle. Hop, voilà. Sauf, faut que ce soit droit quand même, hein, sinon ça, oula, ça serait bête. Voilà. Ok, maintenant que j'ai fait mon petit guide, c'est reparti pour les petites découpes. Hop. Une fois qu'on aura fait ça, vous allez voir, vous allez pouvoir souffler et respirer. On va pouvoir plier, coller et décorer. Ça va être top. Alors, je remets mon papier, comme vous le savez, en mode paysage. Ok, je viens me placer à 3 cm. Donc, on fait cette découpe-là. Ok. Ouais, c'est ton sur ton, Mumu, t'as tout compris. C'est galère sur le papier design. Je viens faire cette coupe-là ici, donc je place mon papier, hop, en mode paysage à 3 cm et je coupe entre mon guide, entre mes guides, pardon. Hop, donc je m'arrête là. Et je m'arrête là. Ok, je viens ensuite me placer à 9,5. 9,5 ici. Voilà.
Et là, je m'arrête à ma ligne de guide. Attention, hein. D'accord? On s'arrête bien. Bon courage, ma petite Karel. Je te fais plein de bisous et j'attends ton message pour notre petit rendez-vous. Donc, je me place à 9h30 et je m'arrête ici à mon guide en bas et à mon guide en haut. Hop, nickel. Voilà. Ensuite, le quatrième, je me place à 13,75. 5, 7, 13,75. Et à nouveau, je m'arrête ici. OK, on est sur cela. Donc, je me place à 13,75. Je pars du haut. Je m'arrête à mon guide. Je redescends. Et je m'arrête à mon guide à nouveau. OK. Pour finir, je me place à 15 cm. Et on vient couper cette ligne ici, donc cette fois entre mes deux guides. Donc mon papier est placé à 15 cm. Et je viens couper, pouf, entre les deux guides. Il manque un petit chouïa encore. Voilà. Et pour finir, nous allons venir, comme tout à l'heure, découper ça et ça. Ah, je suis contente que ça t'ait fait du bien. Oui, une petite bulle, c'est assez sympa. Bon courage. Je t'embrasse fort, ma belle. Je retourne. Je me place, hop, à 2 cm et je viens terminer de couper donc pour cette ligne-ci. Donc si je retourne mon papier, je me place donc par rapport à mon coupe-papier sur la droite à 2 cm. Hop, et je viens couper cette fois sur mon guide. Hop. Voilà. Là, vous avez des petits bouts qui se séparent. C'est normal, tout va bien. Je me place à nouveau à 2 cm. Je pars de la ligne ici et je m'arrête. Hop, ici. Voilà. Donc je vais redécouper comme tout à l'heure. Voilà. Hop, je vais prendre mes ciseaux pour finir de couper. Je préférais, hein, y aller tranquillou. Voilà. Ça y est, nous avons fait le plus gros et le plus long, en fait, tout simplement. Alors, hop, je viens séparer les petits chouïas qui me restent ici. Voilà. Bon, ça peut arriver hein, avec le coup de papier quand on ne veut pas aller trop trop loin. Vaut mieux avoir un quart de millimètre qui reste, qu'on finit au ciseau. Ça fait toujours plus joli, hop, plutôt que de faire du forcing. Voilà. C'est bon tout le monde? Est-ce que vous y arrivez? Alors, il manque un petit bout. Ah, il est là. Allez, on efface nos petits guides maintenant. On n'oublie pas, hein, parce que c'est pas très très esthétique, on est d'accord. Voilà. On fait ça sur tous nos papiers. Le design, le matage, la base de carte. Hop. Voilà, là j'efface aussi. Pouf. Hop. Super. Puis après, ben, on va avoir plus qu'à couper et à coller tout ça. Là, je vérifie si j'ai mon petit guide ici aussi qui apparaît. Hop. Voilà. Claudine, vous continuez à suivre. Ah, c'est super. Est-ce que c'est la première fois que vous m'avez rejointe aujourd'hui, Claudine? J'ai pas de souvenir d'avoir déjà échangé pour vous, avec vous. Ça fait longtemps que vous scrapez? Bon, vous me répondrez quand vous aurez fini. Hein. Prenez votre temps. Je veux pas vous perturber dans votre création. Hop. Voilà, on met tout ça au propre. Je reprends ma base, je fais pareil.
Voilà. Hop. Du coup, on va pouvoir venir plier la base de notre carte, lui donner sa forme. Voilà, j'y vais en douceur parce que je suis capable de tout arracher. Voilà. Coucou Patricia, ça va? Ok, bien. Oh, c'est gentil, Laurence. Alors oui, c'est la première fois et je note tout, je scrape un peu. Ah, bah vous commencez pas par ce qu'il y a de plus simple, mais du coup, je suis fière de vous, bravo. J'espère que je vous reverrai la semaine prochaine. Eure-et-Loir, oui, Marotine habite en Eure-et-Loir, c'est vrai. Ah, peut-être une future rencontre, ce serait top. Je vous remonte la carte pour que vous ayez une idée de comment on va marquer tous ces petits plis que nous venons de faire. Alors, c'est parti. Je prends mon plioir. Hop, donc on y va. Je l'ai encore prise dans le mauvais sens. Voilà, vous avez la grande bande hein, qui est. Ok, c'est la grande bande qui est sur la gauche. Ça marche. Donc celle-ci, elle est en montagne. Ok, donc là, je suis en train de faire cela en montagne. Celle de l'intérieur ici. Donc le premier est en vallée, en montagne. Le deuxième à l'intérieur est en vallée. Ok. Ensuite, le troisième à nouveau en montagne. Le quatrième intérieur en vallée. Hop. On fait tout ça en douceur. Et celui-ci, pouf et pouf en vallée. Voilà. Hop. Et on aide la carte à prendre sa petite forme. On y va tranquille. Voilà. Il faut aider un petit peu le papier, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. Si vous avez des petits bourrelets, vous le savez, je vous ai dit l'autre jour. D'ailleurs, Nati, t'as trouvé la solution au fait? Ah, Maretine et Claudine sont à 30 minutes l'une de l'autre. Mais voilà une bonne nouvelle. J'adore. Je trouve ça trop cool. On marque bien tous nos plis tranquillement. Vous allez voir, la carte va prendre sa forme au fur et à mesure. Voilà. Hop. Vous allez avoir l'impression que ça bloque un peu au niveau du cadre, mais non, 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 pas de panique. Et de toute façon, elle est vouée, hop, à rester debout. Voilà, je la prends encore dans le mauvais sens. C'est quand même incroyable ça. Ok. Ensuite, notre papier de matage. Bah, en fait, il faut juste assembler, hein. Tout simplement. Donc mon papier de matage ici, hop, va venir ici. L'autre va venir ici. Voilà. Ici, les petits morceaux ici. Voilà, on n'a plus qu'à coller en fait. Donc ça, c'est pas compliqué. Alors on y va. Donc, il nous restera un petit morceau de papier à découper pour le centre, pour le matage, si vous ne voulez pas mettre de photo. Ok. Hop. Alors, vous avez peut-être la même impression que j'ai eue la première fois que j'ai fait cette carte où je me suis dit, tiens, ça se plie pas bien. Mais en fait, si, c'est au début. Il faut juste aider un petit peu la carte à prendre son pli, hein, mais pas d'inquiétude, j'ai eu la même petite impression. Mais ça le fait, pas de souci, il n'y a pas d'erreur. Hop. Et allez, on y va. On colle. C'est parti. Ouais, je m'en doutais. C'est toujours comme ça. Hop, voilà. Mon papier matage. Je sens que ça va être super joli avec cette collection. En plus,
Je suis timide. Oui, t'es timide, t'es timide. Pas toujours timide, ma petite Maritine. Je suis sûre que si vous vous rencontrez, tu vas pouvoir apprendre plein de choses à Claudine. Elle sera ravie d'apprendre des choses avec toi, c'est sûr et certain. Hop, voilà. On colle tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, donc mon matage est fait et maintenant, bah, tout simplement, regardez. Harmonie faisait allusion au bourrelet de la semaine dernière. Oui, parce qu'avec Nati, on avait dit, on se demandait si justement le plioir pouvait aider à aplatir aussi nos petits bourrelets perso. Voilà, et on s'est dit qu'on se tenait au courant. Ça fonctionne pas, hein, oui, on est d'accord. Je vous jure. Hop là. Ouais, le ocre roussillon, vraiment, c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. C'est une très très jolie couleur. Voilà. En plus, avec ce papier-là, ça ressort super bien. Ça va, vous en sortez? Vous êtes toujours là, je vous ai pas perdu. Est-ce que ça vous plaît alors cette carte originale? Une fois qu'on a chopé le truc pour les découpes, ça va tout seul. Hop. Et hop. Donc il nous reste pour le centre ici. Alors, si vous voulez mettre un papier de matage, alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ces sandouilles? Du coup, j'ai mangé un chocolat pour digérer à moi. Excellent, j'adore. Donc, je disais. Ici, si vous voulez mettre un morceau de papier matage. Donc ici, j'en avais mis un, piscine partie, que j'avais un petit peu donc amélioré avec toujours de l'encre piscine partie, mais avec un tampon juste très très légèrement en deuxième génération. Alors, hop, et ce morceau de papier, vous le découpez ben, dans ce qui vous reste. Hein, vous avez du papier de votre matage. 8,2 par 7,2. 8,2 par 7,2. Donc, il vous servira, hop, de matage pour le centre ici. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de mes petits écureuils. Regardez. Voilà ce que je vais mettre. Il y en a qui vont reconnaître. Vous avez vu? Cette petite branche et tout. On a même les feuilles. Avec du coup les rainures en deuxième tamponnage. Il est trop mignon. Je craque complètement. Donc ça va venir ici pour moi. Hop. Voilà. Je prends ça. Hop. Et je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait. Donc vous allez voir, j'ai des petites perles ici. Que j'ai collées déjà. Et en fait, ces petites perles qui sont à l'origine toutes blanches, eh bien, en fait, je les ai, vous le savez, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, colorisées ici avec un Stampin' Blends, donc les feutres à alcool tarte au potiron. Vous avez vu comme ça ressort bien? C'est joli, hein? Du coup, ça se coordonne parfaitement. Ici, j'ai tamponné en ocre roussillon, beau bourdon et vert olive. C'est trop chaud. Et du coup, je viens coller tout ça, hop, sur le centre de ma carte. Voilà. Youp là. Et voilà. Ça y est, elle est finie, cette petite carte.
Donc là, on est vraiment dans deux tons de couleurs complètement différents, mais qui ont chacune leur charme. Voilà. J'adore. Donc, elle est posée, c'est top. C'est super mignon. Vraiment, ça rend super bien. Je suis très très contente de mon choix de collection sans aucune prétention, hein, je vous assure. En fait, j'aime la plupart du temps, j'aime mieux la deuxième version que ma première. C'est assez bizarre. J'en parlais avec Sandrine l'autre jour. C'est curieux, mais bon, allez savoir. Coucou Annie, zut, on vient de finir. Bah écoute, tu verras le replay, ma belle. Eh bien voilà, ça y est. Nous avons terminé cette Fancy Fun Fold Card. Ah, elle a l'air de vous plaire. Je suis trop, 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 trop contente. Ah bah du coup, maintenant, il va falloir. Merci Myriam, je ne vous avais pas vu. J'espère que vous avez passé un beau moment. Merci Claudine. Donc je vous l'ai dit, hein, maintenant j'attends de voir toutes vos belles créations. Postez-les jusqu'à demain soir, même tard hein, dans la soirée, en commentaire en bas du live. D'accord? Coucou Judith. Et puis je ferai un tirage au sort parmi les participations et du coup vous pourrez choisir une des deux cartes qui est ici. Voilà, je vous l'enverrai. Vous pourrez choisir la carte que vous préférez pour que je vous fasse un petit coucou. Ah, mamie de service, oui, je comprends bien, il y en a plein, plein, plein en ce moment. Avec plaisir, Fatou. Ah, j'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Non, je crois qu'il n'y avait pas de monsieur aujourd'hui. Pourquoi la mienne ne se met pas bien plate? Si, travaille avec ton plioir, insiste avec ton plioir, tu vois, tu formes bien tes plis avec ton plioir et tu vas voir, ça va le faire, faut pas avoir peur. Merci, Magali. Nati, je finis et je poste. Ah, super. C'est magnifique quand on ne se trompe pas. Mais non, vous allez le voir. Prenez le temps de le faire, il n'y a pas de souci. La première fait plus sérieux. Ah, bah, c'est autre chose. Hein. Donc voilà, surtout postez bien vos créations, ça me fera trop plaisir de les voir. Inspirer les autres, c'est ça aussi, c'est le scrap, le partage, c'est de pouvoir s'inspirer les unes des autres et puis se donner envie et puis se donner un petit peu confiance en soi aussi, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à poster leur création et c'est bien dommage d'ailleurs parce que je suis sûre qu'il y a des petites pépites qui seraient vraiment agréables à voir. Donc, bah écoutez, voilà, je vous rappelle donc les inscriptions à la box mensuelle jusqu'à ce soir. La vente flash, les moins 15%, donc sur les tampons, souvenez-vous, coucou, je suis là, souvenez-vous, c'est à jusqu'à 23h50 ce soir, vous avez tous les liens en haut de la publication là, sur le live, mais aussi sur mon blog, vous connaissez ma boutique, elle s'affiche aussi sur, bien sûr, sur cette présentation. Voilà. Et puis donc, les inscriptions pour le kit du calendrier de l'Avent sont toujours ouvertes. Vous retrouverez toutes ces infos dans l'article de blog que je vais publier tout à l'heure, dès que ce sera, la vidéo sera chargée. Vous aurez le lien donc pour vous inscrire à tout ça. Et puis, baladez-vous sur le blog, vous verrez, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin dans les pages, dans les articles, dans les onglets. Inscrivez-vous à la newsletter ou au blog ou à la chaîne YouTube pour revoir tous les replays de mes 79 lives que je viens de faire et en espérant qu'il y en ait plein plein d'autres en votre compagnie. C'est un vrai bonheur de vous retrouver chaque semaine. J'espère que vous aussi, vous passez un beau moment. La semaine prochaine, je vais vous proposer un projet assez simple qui, je pense, pourrait aussi occuper vos enfants. Ce sera les vacances. Donc du coup, voilà, ça peut être un petit projet assez sympa, qui est assez facile, qui peut être assez ludique aussi, vous verrez. Donc je publierai ça comme d'habitude samedi à 11h. Fabienne, j'avais expliqué, je passe les commandes pour le calendrier de l'Avent le 1er novembre. Donc voilà, le 1er novembre et ensuite le temps de préparer tout ça. Mais très très rapidement, je sais qu'il vous faut du temps pour les préparer. Donc je suis déjà en train de découper les chiffres pour le calendrier. Il y en a quelques-uns à couper. D'ailleurs, je fais un gros gros bisou à mon chéri qui m'aide énormément à toutes ces découpes, qui m'est d'une aide précieuse et que j'embrasse très très fort. Donc voilà.
Dès que ça sera fait, je vous les envoie, mais je ne manquerai pas de vous prévenir. Merci Muriel. Voilà, j'ai encore eu plein de filles qui m'ont suivie aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Vous savez que je vous aime très très fort, les filles. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe, c'est pareil. Vous avez le lien en haut de la publication. Venez partager cette aventure extraordinaire avec moi. Vous verrez, c'est un vrai bonheur de vie. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.